Ok, Yann, on m'a dit que tu étais allé visiter Nagent hein, ce matin, c'est ça? Ouais, c'est ça, j'ai visité Atoukom, c'était super bien, le personnel était très accueillant et la directrice aussi. Si tu veux, Lila, elle t'expliquera tout après. Ok, bah, je vais l'avoir, merci. Oui, Baptiste, je vais te raconter notre visite de ce matin. Nous avons commencé avec la présentation de l'agence et pour finir, nous avons visité leurs locaux. L'agence a été créée il y a 4 ans par Anne de France. C'est une agence monoclient. En effet, ils ne travaillent qu'avec McDonald's. Cependant, ils ont déjà sponsorisé des événements comme le Rose Festival. Leur travail se passe principalement sur les réseaux sociaux où ils communiquent et répondent aux avis. Par exemple, ils ont pour objectif d'annoncer l'ouverture de nouveaux McDonald's, d'entretenir leurs réseaux sociaux et de modérer leur page Google. Nous allons maintenant passer à la présentation de l'équipe. Anne de France, qui est la directrice de l'agence, cela fait 30 ans qu'elle est directrice en communication. Camille Comté est alternante dans l'entreprise depuis un mois, mais aussi étudiante à l'ISCPA. Elle est assistante marketing et communication. Diane Thirion, la chef de projet, elle répond à tous les besoins des clients en un minimum de temps. Benjamin Roudet, il est directeur créatif dans l'agence et effectue ce métier depuis 20 ans. Il est aussi directeur artistique en interne. Samia Amras, la chef de projet digital, elle a commencé à travailler à McDonald's à l'âge de 18 ans dans le marketing. Manon Rhodes est la community manager, elle est salariée depuis un mois mais était alternante auparavant dans l'entreprise. Voilà, j'espère que je t'ai bien présenté notre visite de ce matin. Ça avait l'air vraiment bien, mais j'aurais vraiment aimé être là. Franchement, c'était super cool. J'espère que la visite, elle vous aura tous plu. Et puis voilà. Super, merci.